Après, il y a un 3 et un 5. 3, c'est ce que nous sommes en train de dire, le choix que vous avez de, au niveau de, des paiements réguliers. Donc, ce couple, avec l'avantage d'avoir pris cette police, qu'est-ce qui se passe? C'est que, de façon disciplinée, chaque mois, ou dépendant de ou chaque année, ils payent, ils mettent de côté une prime d'assurance pour le futur. Ce couple a beaucoup de chance, quelque part, rien n'arrive. Donc, ils ont tous les 5 ans un paiement qui est fait. Ils ont pris cet argent au départ pour payer un peu le niveau de décollage. Ensuite, ils ont pris ça, la somme assurée de la police elle-même. La police elle-même peut être mise en sécurité pour un prêt ou une maison. Okay? Quand, la seconde fois que la somme assurée a été payée, ils ont pris ça, ils ont fait une amélioration dans la maison, disons. Okay? À la fin, ils ont pris l'argent pour payer l'éducation de leur enfant. Et rien ne s'est passé. Un autre couple, celui-là, malheureusement, il y a une chose qui s'est passée. Ils ont emprunté de l'argent pour construire une maison. La police a été donnée comme sécurité. Et un membre du couple a eu un décès, donc accidentel. Quatre fois la somme assurée a été payable. Donc ils ont pris l'argent, enfin, le mari a pris l'argent, il a repayé la maison. Il avait assez d'argent en plus parce que c'est quatre fois. Pour faire d'autres paiements pour pouvoir subvenir à la besoin de ses enfants. Donc, des choses peuvent arriver. Hein. C'est le monde réel dans lequel nous vivons. Vous êtes tous dans les journaux, hein, vous écrivez, vous avez 5-6 premières pages de choses qui se passent, hein, ou 10 pages même de temps en temps, de choses qui se passent régulièrement. Hein, donc, les drames arrivent. Et ça montre aussi l'importance de prévoir correctement. Hein, les choses, si on fait aujourd'hui un tour de table là, rapidement, qui c'est qui prévoit pour la retraite? On y pense malheureusement trop tard, souvent. Hein? Il faut penser qu'aujourd'hui, après notre âge de retraite, on va vivre 30 ans, 40 ans, facilement. Donc il faut penser à ça. Et souvent, on a la tentation d'acheter le dernier téléphone portable, un écran placement, qui est là, et puis on va voir après dans le temps. Mais l'avantage d'être discipliné, c'est que le plus tôt on s'y prend, le mieux c'est après. Donc ça, c'est important de garder ça en tête et de s'y prendre. Nous avons plein d'histoires ici, des histoires comme ça, mais ce sont des cas réels que nous avons nous à traiter. Hein. Nous avons des gens qui prennent des polices, des choses arrivent, on voit des histoires réelles de ce qui se passe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette police? Parce qu'il y a aussi une présentation du site web que je voudrais vous faire. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ces polices? Cette police, combien de temps c'est? N'est-ce pas, quel pourcentage est payé tous les 35 ans? Si c'est 9 ans, c'est payé un tiers, parce qu'il y a 3 paiements. Donc, il y a des tranches et deux. Si c'est, allons dire que c'est 15 ans, il a choisi 5 ans, il y a 3 paiements qui sont payés encore, donc c'est un tiers, un tiers, un tiers. Si c'est 21 ans, il a 3 ans, il y a 7 paiements, donc c'est un 7, un 7, un 7. Alors, tout fait simple, tout simple, c'est la durée de la police divisée par le nombre de paiements. Donc c'est très facile à calculer et à prévoir. Une autre question? Ok, je vais passer maintenant sur le site web. Si pendant la présentation du site web, vous pensez à d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, notre premier site web avait été lancé en 2001. Et 2001, en 2006, nous l'avons revu, et là, aujourd'hui, maintenant en 2012, maintenant, nous remettons encore une fois à jour, parce que les choses évoluent tout le temps. Là, le grand avantage de notre site web aujourd'hui, c'est que c'est très vivant, très frais, et en plus de ça, les photos que vous voyez ici, ce sont nos employés, ce sont nos collègues qui sont dessus, donc ils sont tous heureux, hein. Vous pouvez voir, et c'est aussi très très simple d'accès. Tu peux baisser un coup, en haut, maintenant, s'il te plaît. Alors, la première ligne, vous voyez, sur un groupe, sur une insurance, en le mot sein de FSPCA. C'est un peu les opérations, les compagnies d'opérations du groupe. Donc, en cliquant dessus, vous pouvez très simplement aller, donc, appliquer sans jouer avec la Swan. Donc, vous avez déjà des produits de la Swan. En cliquant dessus, vous pouvez voir, c'est comme un peu comme un livre, là, hein, c'est interactif. Vous avez toutes les informations que vous voulez avoir sur tous ces types de couvertures qui répondent à des besoins très spécifiques.
Donc, les sites web sont aussi des avantages, des nouvelles sur les news, par exemple. On a les news en bas, ce qui se passe, les choses que nous faisons. Il y a le Swan Group Foundation sur le niveau CSA, sur les détails. Si on va sur le site de l'Anglo, par exemple, maintenant, Anglo Wishes, vous allez voir qu'il y a déjà Money Harvest dessus. On l'a mis en couverture là, vous voyez Money Harvest en cliquant. Vous pouvez voir les différents types de polices que nous avons, différents produits, et chacun de ces produits sont pour des besoins différents, avec caractéristiques différentes. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les polices de l'Anglo Mauritius, vous pouvez avoir accès à vos polices online. Ça, on l'a fait depuis beaucoup d'années déjà, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez, avec un mot de passe et un username, c'est qui est à vous, à tout moment, rentrer sur le site et consulter ce qui se passe avec votre police. Vous pouvez interagir avec. Donc, on va donner un exemple. Donc, si on rentre dans le site, vous avez un login, un password. Je vous rends un peu concrètement ce que ça veut dire. Alors, si vous rentrez dedans, celui-là, donc, il a ce policeholder, il a 4 polices. Vous voyez les différents types, en cliquant dessus, sur n'importe quelle de ces polices, vous pouvez avoir les détails. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis le password depuis un peu de temps déjà. Donc, pour les raisons de sécurité, si ce n'est pas actif, il vient couper, parce que ça veut dire que vous avez oublié ça. C'est pour les raisons que quelqu'un d'autre ne puisse pas venir voir vos détails. Donc, j'ai parlé pendant trop longtemps, moi. Donc, vous voyez un peu l'idée. Hein, vous avez un login, un password. Quand vous rentrez dedans, vous avez des informations sur votre police. Maintenant, plus que ça, sur la police elle-même, cette police est investie dans cet fonds. Vous pouvez avoir des détails sur les fonds, sur la performance de ces fonds. Vous pouvez voir beaucoup de choses. Alors là, vous avez son password. Vous pouvez changer votre password, votre compte, le type de choses que vous voulez faire avec. Donc si on rebat maintenant un refresh, tu peux faire une dame d'assurance. Ça c'est un police avec profit, avec boni. Vous voyez déjà, donc ça va sur 112 000 roupies. On a bien déclaré, il y a 13 000 roupies de boni qui vient d'être déclaré, qui a déclaré sur 31 décembre 2007. Au 2010, il y a 12 000 roupies. Et jusqu'au 31 décembre, 25 000 roupies. Donc, qui a déjà été ajouté à cette police comme body. Donc sur 112 000 roupies, nous sommes assurés. Cette police, il y a 25 000 roupies déjà de body à ajouter. Donc si on va dans une police qui est unit-linked, ça veut dire qu'il est avec des choix d'investissement qui ne marchent pas avec des body, donc c'est de l'autre univers, je vous ai mentionné, oxygène par exemple. Là, vous voyez les contributions faites tous les mois. On peut aussi voir la performance du fond derrière. Et tout le moment, ça c'est tout ce qu'il y a à payer. Vous pouvez voir tout le moment qu'est-ce que vous avez payé, quand, le montant. Vous pouvez voir les fonds d'investissement sur investments. Donc vous avez tous les. C'est une transparence totale. Vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Donc ça c'est la performance du fonds. Du General Fund, c'est un des fonds qui est là. Donc ça vous donne, vous comprenez que ça vous donne une interactivité, une connexion, une transparence sur ce que vous voulez voir, sur vos polices que vous avez. Et aussi en général, vous donne des informations sur les couvertures qui sont appropriées à vos besoins. Vous pouvez nous contacter, on peut vous répondre, vous pouvez avoir d'autres nouvelles aussi sur les. Même sur la valeur d'action, hein, du soin de l'enveloppe. Et c'est très simple d'accès. Hein, c'est pas bien compliqué. Ce qui fait aussi le refresh rate, c'est-à-dire quand ça, vous arrivez sur le. Vous arrivez sur votre browser, ça ne bloque pas tout pendant une demi-heure. Ok. Voilà, donc c'est un peu tout. Si vous avez des questions par rapport à ça. J'ai été très clair ou j'ai endormi tout le monde. Alors, merci beaucoup et on vous invite à prendre une collation
à côté. Merci, merci pour l'attention. Merci beaucoup.